Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. Mes excuses pour l'absence du bulletin d'hier soir. Quelques imprévus d'ordre personnel ont perturbé la publication de ce dernier. Aujourd'hui, le temps a été instable avec de fréquentes averses, parfois soutenues et même accompagnées d'orages, les premiers vrais orages de la saison dans les régions de la moitié nord, avec donc des conditions qui étaient encore bien instables. Voici les prévisions pour votre samedi matin avec une nouvelle perturbation qui va nous parvenir par les régions du quart nord-ouest. On va la retrouver donc en cours de matinée du Poitou jusqu'à la Bretagne à la pointe du Cotentin avec des pluies qui seront faibles à modérées accompagnées d'un vent de secteur sud très sensible, notamment sur les côtes bretonnes jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. À l'avant, le ciel se couvre de la Normandie jusqu'au Limousin. Quelques belles embellies quand même persistantes de la Haute-Normandie et du bassin parisien en descendant jusqu'à l'Auvergne et au Savoie. Et puis quand même beaucoup de soleil près des régions pyrénéenne et méditerranéenne, avec quand même quelques cumulus de beau temps pour décorer le ciel, pas mal de grisailles également près des frontières du nord et du nord-est. Dans l'après-midi, cette perturbation va s'étendre en direction des côtes de la Manche. On va donc la retrouver de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec des pluies qui seront généralement faibles et intermittentes. Un ciel qui sera tout de même couvert. Un vent également sensible jusqu'à 90 km à l'heure sur les caps du Finistère avec donc une impression très automnale sur ces secteurs. Pas mal de grisailles à l'avant dans le centre du pays. Un ciel voilé entre les Charentes et les Savoies. Et puis à l'inverse, toujours beaucoup de soleil de l'Aquitaine jusqu'au bassin de la Méditerranée. Belles éclaircies également entre la plaine d'Alsace et la Suisse. Les températures pour votre samedi matin, elles sont plutôt conformes aux normales de saison, entre 5 et 8 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 10 entre Biarritz, Perpignan et Nîmes. Et puis dans l'après-midi, eh bien elles sont en hausse, notamment dans les régions de la moitié sud, entre 12 et 16 degrés sur les régions de la moitié nord, et puis entre 17 et 24 degrés dans les régions de la moitié sud. Il fera véritablement très doux dans le quart sud-ouest, entre 20 et 24 degrés. La maximale, ce sera pour Biarritz. La suite avec la journée de dimanche, une très belle journée de printemps qui se confirme. On vous l'annonce depuis maintenant 4 à 5 jours. Et bien ça se confirme, beaucoup de soleil pour l'ensemble de votre journée de dimanche avec un temps véritablement très appréciable. Seulement quelques cumulus, notamment en début de journée près des côtes de la Manche et sur l'extrême nord du pays. Et puis en toute fin de journée, le retour de nuages un peu plus dense par la pointe du Finistère avec peut-être quelques ondées. Mais donc vous notez ce temps très ensoleillé pour dimanche et pas seulement très ensoleillé, aussi très doux puisque 22 en moyenne au nord sont attendus l'après-midi et 23 au sud, donc l'ambiance sera véritablement printanière partout avec des valeurs entre 4 et 6 degrés au-dessus des normales de saison. Lundi, la dégradation va nous parvenir. Celle qui sera parvenue dimanche soir par la pointe bretonne va donc circuler des Charentes et de la Gironde en remontant jusqu'à la mer du Nord avec très peu de précipitations, mais quand même pas mal de nuages. Le retour de quelques éclaircies à l'arrière sur la Bretagne et sur la basse Normandie. Un ciel qui se voile à l'avant des Pyrénées jusqu'à la Champagne. Et puis toujours beaucoup de soleil avec très peu de nébulosité sur les régions méditerranéennes et sur les régions de la façade est, avec des températures qui resteront au moins aussi élevées que la veille dans le sud et dans l'est du pays, mais qui baisseront quand même quelque peu dans le quart nord-ouest. La suite avec la journée de mardi et de mercredi. Mardi, encore quelques résidus nuageux des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est avec de temps à autre quelques ondées, essentiellement près des reliefs. Partout ailleurs, des éclaircies largement prédominantes. Un peu plus de nuages quand même près des côtes de la Manche avec pourquoi pas quelques ondées en toute fin de journée sur le nord de la Bretagne et sur la pointe du Cotentin. Des températures qui resteront semblables à celles de la veille et particulièrement plaisantes. Des températures sans grand changement pour mercredi avec encore quelques nuages et quelques ondées possibles des Pyrénées jusqu'aux Alpes et à la Suisse. Partout ailleurs, des éclaircies prédominantes, sauf dans le tiers nord, où une nouvelle perturbation va parvenir à contourner l'anticyclone. Elle apportera beaucoup de nuages de la Bretagne jusqu'à la Belgique, mais très peu de précipitations. Et puis enfin, pour la fin de semaine, jeudi et vendredi, un temps très anticyclonique, très ensoleillé sur la plupart des régions. À peine plus de nuages dans le centre-est jeudi et dans les régions septentrionales vendredi, avec donc une impression très appréciable et les températures qui repartiront de plus belle à la hausse. On devrait atteindre en moyenne vendredi 21 dans la moitié nord et 25 dans la moitié sud. Retour donc de l'impression estivale dans certaines régions, notamment dans le quart sud-ouest, mais vous l'aurez compris, l'impression printanière est cette fois-ci installée pour de bon. Demain, nous serons donc le 13 avril, vous fêterez les Ida. Le soleil va se lever à 7h03 et se couchera à 20h39. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. Je vous retrouverai avec plaisir demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Bonsoir.